Ah, l'homme noir. Donc, petite vidéo qui circule un peu là, que c'était une vidéo. Vous envoyez déjà à tous mes proches. C'est pour dire quoi à mes proches? Que je suis la mauvaise personne. Mes proches ont une mauvaise personne dans leur entourage. Que je suis le démon en personne. Que je suis celle-là qu'on ne doit pas garder dans son entourage. Je ne suis pas un exemple. Corno Boramis. Et mon frère. Ah. Pour 6 millions de francs CFA, ça ne vaut pas la peine. Parce que demain, tes enfants vont grandir, ils vont voir ça. Moi, je ne peux pas me permettre de montrer cette photo-là. Parce que même Zuckerberg ne va pas laisser. Et puis, deuxièmement, pour le respect que j'ai pour toi. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas, tu penses que nous, on va te respecter? C'est quel argent que tu cherches au point de venir bafouer ton intimité de femme, bafouer ta dignité de femme? C'est-à-dire que pendant que les femmes luttent pour qu'on les respecte, toi, tu viens nous montrer que nous ne sommes rien. Parce que tu veux gagner l'argent des publicités. C'est-à-dire, franchement, il y a les gens ici. Parfois, tu respectes quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu te dis que non. La personne s'y mérite que tu mènes même ses combats gratuitement. Et puis, la personne là te sort un tout, tu restes comme ça, tu dis que yes. Regarde comment tes signes sont sur les pages sur Facebook. Tu vas te dire que c'est le buzz que tu cherches. Moi, Minga, avec le talent que tu as, tu avais besoin de montrer cette saleté-là. Tu avais besoin d'aller jusqu'à ce point. Hein? Est-ce que tu avais besoin de te ridiculiser jusqu'à ce point, chère sœur? Quand les Raoul Christian Mbia sont venus t'insulter ici, nous nous sommes levés pour te protéger. Parce que tu es une fierté pour nous. Parce qu'on s'est dit, tout le monde, on peut provoquer tout le monde. Pas moi, Minga, qui reste digne sur les réseaux sociaux. Qui ne descend pas dans la saleté pour évoluer. Ce que tu nous montres là, quelqu'un va venir nous dire que tu parles à moi, Minga, c'est avec ton corps. Tu es une icône pour nous. Icône de la comédie. Oui. Tu es une fille que j'aime bien et que beaucoup aiment. C'est que l'argent qu'on t'envoie chercher au point de te salir comme ça, jusqu'à ce point, combien on va te payer pour que tu aies une petite fille comme toi? Tu commences à faire comme une vulgaire vendeuse de Ndongo. Même les vendeuses de Ndongo ne se filment pas comme ça. Même les vendeuses de Ndongo sont pudiques. Elles respectent leur corps. Donc ma chère soeur, revois ton comportement. Parce que tu crois que tu vas gagner avec. Ça ne va t'amener nulle part. Je suis sûre que tu as perdu beaucoup de bonnes personnes depuis que tu as fait les photos là. Est-ce qu'on peut un peu laisser les gens respirer? C'est quoi que depuis le matin, là, moi, Minga, Achille et Mana, à gauche, à droite, même s'ils ont chargé le pain ensemble, où est le problème? Là, moi, Minga, c'est une grande fille, Achille et Mana, c'est un grand garçon. Et en plus, quand Achille et Mana passent le temps à se filmer, ils baissent le trossu, ça arrive ici, là, on voit tout. Quand on voit tout, là, moi, je vous ai toujours dit que dans la fesse, soyons véridiques, les filles, dans la fesse, quand nous, les femmes, là, on voit, c'est seulement qu'on ne parle pas comme les hommes, mais quand on voit, quand on marche en route, on voit un gars passer bien, évidemment. On voit qu'à bien maraquer passer là. On regarde aussi, hein. Et qu'on regarde là, pendant qu'on regarde là, le genre d'image qui vient dans notre tête au moment là. Tu as seulement envie de faire les incantations, faut on s'est jeté. Parce que si tu tentes de dire que tu vas concrétiser ce que tu vas faire là, tu vas marcher quand même les pieds comme ça là toute ta vie. Et que tes pieds seront que comme ça. Macaque, 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 macaque. Vous blaguez mal les dons. Et puis, on voit pas mal que l'on voit rien faire des mauvais. Bon, maintenant, si c'était dans le cadre qu'un cadre privé, là, c'est, si c'est que c'est seulement pour le chargement des pommes, mais ça, nous tous, on charge le pancard. Maintenant, le fait qu'on ait filmé, j'entends, j'aurais entendu dire que c'était pour une publicité. C'est là que ça me fait un peu bizarre parce que bon, il dit moi, oh, moi, il parle pour moi, en tant que moi. Je trouve qu'on devrait quand même se mettre une certaine limite quand on veut faire des choses parce que chaque chose qu'on fait a des répercussions pour demain. L'homme, moi, là, c'est une femme qui n'est pas mariée. Je ne sais pas si elle aspire à se marier aujourd'hui, à se marier un jour. Peut-être que son mari comprendra, mais sa belle famille ne va probablement pas comprendre qu'on est vu. Parce que moi, j'ai vu les mobiles, ça a été que merde, mon frère, c'est dégoût, hein! C'est dégoût! Maman, dégoût, elle arrivait comme ça, là, avec un gros show anglais comme ça, là, et tout, et tout. Je trouve quand même que c'est assez fort, mais bon. Vous savez que les femmes, quand on fait des choses, il faut quand même faire avec une certaine limite, une certaine retenue. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Après, peut-être elle va aussi être le genre de belle fille qui va dire ah, dis donc, c'est mon mari, moi, c'est la belle famille, là, je m'en. Bon, après, si c'est que, oh, ils ont vraiment chargé le punk. C'est que, maman, tu as le genre de produit à côté de toi, tu ne charges pas ton punk, c'est toi qui perds. Toi qui perds, vous devez vous entrécharger. C'est seulement pour la pub, parce que tu as tout perdu, ma cour. Tu devais normalement insister pour qu'il charge ton pain. Il charge ton pain. Il charge ton pain. Mais bon, si vous n'avez pas chargé le pain, que tu as seulement fait la pub et que tu as montré tous les trucs en l'air comme ça, tout le monde voit. Si tout le monde voit, mieux il y a concrétisation une fois. On voit seulement pour faire quoi. Bref, je ne sais pas si c'est moi qui parle actuellement là où c'est le bon bail, les amis. Pour vous dire vrai, je comprends la frustration de certaines personnes. Bon, beaucoup de frustration quoi. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter que moi, Minga, arrive où elle est sans donner son corps à quelqu'un. J'ai demandé, citez-moi un seul producteur qui est monté sur moi. Il n'y a aucun. Donc, pour votre information, moi, Minga est en couple.
Et quand je suis en couple avec quelqu'un, je vous jure, tant que la personne ne me déçoit pas, je ne kiffe pas, je ne le déçois pas. Non. Je ne le déçois non plus, je ne le trompe pas. Donc, depuis un temps, les gens cherchent toute possibilité de me détruire, toute possibilité de me mettre au devant de la scène. Sachez que ça m'approuve. En voulant me détruire, vous me levez plus tôt. En voulant me descendre, vous me levez plus tôt. Pour votre information, parce que j'ai l'impression que vous ne le connaissez pas. C'est un peu ça la chose. J'ai mes principes et je suis fière de mes principes. Je suis fière de celle que je suis. Vous n'êtes pas obligé de croire en moi, vous croyez en ce que vous voulez, en ce que vous écrivez. Vous savez, les réseaux sociaux sont libres pour tout le monde. Écrivez ce que vous voulez. Mais sachez que vous n'êtes pas parfait pour juger les autres. Qui est qui pour me juger? Donc, comme ta vie est sale. Moi, la mienne là, c'est le devant. C'est ce qu'on vous montre, mais la réalité là est très différente. Donc, bisous là-bas, je vous aime beaucoup. Passez une excellente journée. Je suis en route comme ça pour Dubaï. Bande de Koulobadou. Je suis en route pour Dubaï. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire, je n'ai même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Tafouke Mathieu, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le sperme, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibrome, de kyste, de cancer, de troubles de vie, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors, c'est des traitements qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la Recherche a lancée avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors, donc, pour tous vos problèmes de santé, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mandier le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois minutes dans la vidéo. Et à vous, je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.